Bonjour, on est le 16 mai, c'est ça? Ouais. Oui, donc on a planté les pommes de terre le 15 mars. Donc ça fait 61 ou 62 jours. Et je voudrais savoir où elles en sont au bout d'une soixantaine de jours. Alors là, j'ai pas fait comme d'habitude. J'ai fait différemment. J'ai creusé un sillon. Et j'ai planté au fond du sillon. Après, j'ai fait deux rebutages. J'ai rajouté de la paille. Et puis maintenant, je vais voir ce que ça va donner. Parce que normalement, c'est des pommes de terre qui sont faites pour... C'est des 90 jours. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ah, ouais, 60 jours, bon, il y en a des grosses, il y en a des petites. C'est un essai que je fais pour voir qu'est-ce que ça donne au bout de 60 jours. C'est des rosabelles. Mais on dirait... Oh, ça va profond. Il y a aussi des blanches. Alors les blanches, elles ont peut-être repoussé de l'année dernière, c'est possible. Alors, il y en a des grosses, il y en a des plus petites. Tu vas pas tout ramasser? Non, 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 c'est juste pour faire un essai. Pour voir qu'est-ce que ça donne, quoi. Au bout de 60 jours. Donc je continue un petit peu. C'est pas mal quand même au bout de 60 jours. Hein? Elles vont encore grossir puisqu'il y a encore un mois. Et comme ça, on va pouvoir goûter aux pommes de terre nouvelles. Je vais aller jusqu'au bout là-bas. Ouais, attends là. Je vais aller tout droit comme ça, parce que c'est plus pratique. J'ai mis plein de paille cette année. Donc là, j'ai dû retirer 5 pieds. 5 pieds. À peu près, quoi. Maintenant, il faudra que je fouille encore en dessous, parce qu'il y en a en profondeur. Il faudra aller les chercher. Là, il faudra tout retourner après. Parce qu'il en reste toujours. Tu vois? Donc pour 5 pieds, il y a combien de kilos, là? 5 pieds, il y a quoi? 5 kilos. C'est pas mal. Donc, je retournerai ça après. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Hein? Bon, voilà. Donc, mes pommes de terre, Rosabelle, au bout de 62 jours. Donc, il reste encore un mois. Donc, rendez-vous dans un mois. Et là, je vais faire la vraie récolte.